Le très attendu MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ouvre ses portes cette semaine dans la ville française de Marseille. Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Ce musée est signé Rudy Ricciotti. Être méditerranéen n'est pas un extrait de naissance, être méditerranéen c'est un extrait de voyage. Et ce lieu est un voyage. Installé sur 45 000 mètres carrés et réparti sur 3 sites, le MUCEM aura nécessité 4 ans de travaux. Anthropologie, sciences, sociologie, histoire, art, il balaye de nombreuses disciplines. Sa vocation, offrir un regard sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen de la préhistoire à nos jours. Derrière moi, vous avez ce que l'on appelle une sakié, qui est un instrument hydraulique qui servait à lever l'eau dans les puits dans la région du Nil, en Égypte, qui est tout à fait intéressant pour expliquer les problèmes de régulation de l'eau dans le bassin méditerranéen. Cité des connaissances et des échanges, le MUCEM se veut aussi un lieu culturel qui se concentre sur toutes les sciences humaines. Ici, on est assis dans le banquet de Platon où les Grecs parlaient entre eux de la citoyenneté réservée aux hommes qui exclut les femmes, les esclaves, les métèques. Face à des femmes qui nous parlent aujourd'hui de ce que c'est être citoyenne. Le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée accueillera également de nombreux événements culturels, débats, projections de films, concerts, spectacles et ateliers de cuisine méditerranéenne, entre autres. Le MUCEM vise plus de 300 000 visiteurs par an. Il ouvrira ses portes au public le 7 juin prochain.